les Canadiens qui vont jouer en infériorité numérique, puisqu'Adam Dickson a pris une pénalité de 2 minutes. L'occasion pour les Norvégiens d'égaliser, mais de réduire le score et surtout de se remettre un peu en selle. On a le droit de dégager le puck avec la main. Alors on a le droit, quand on est dans sa zone de défense, de jouer le puck avec la main sans fermer la main dessus, c'est-à-dire qu'on ne peut pas recouvrir le palais, mais on peut pousser le palais, soit un dégagement, soit une passe. Par contre, c'est uniquement dans sa zone de défense. Si un coéquipier récupère le palais en zone neutre, ça sera considéré comme une passe à la main. Et le joueur n'est pas sanctionné, mais on arrête le jeu et on refera un engagement. D'accord. Donc là, c'était uniquement parce que c'était en zone défensive. Voilà, donc en zone défensive, pour se dégager, il n'y a aucun souci, c'est autorisé. Allez, aux Norvégiens maintenant de montrer qu'ils sont un de plus sur la glace. Et c'est pas évident avec ces diables de Canadiens qui sont partout avec une superbe mise en échec là de la part du numéro 29, Graham Murray. Regardez, boum, allez, un deuxième. Ah, Murray, c'est le spécialiste. Hein, il est là. Et à mon avis, en défense, c'est vraiment. Il travaille fort là dans la bande pour garder le palais et empêcher les Norvégiens de jouer, même si. Un bon lancer là, mais qui passe à côté. Ouais. Le problème, c'est d'arriver à cadrer les lancers. Dégage encore une fois. Ouais, ils vont gagner du temps, bien sûr. Vous le voyez, 42 secondes encore de supériorité numérique. Et l'obligation pour la Norvège de remonter toute la patinoire, et à condition de ne pas rater ses contrôles.